Good morgen. Allez, Iden, les sutras aujourd'hui, le lunishmat avant Mordechai ben Yitzhak Vefani et Dvorah bat Esther. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée de la sainte éternelle, nous étions au Sakhati, au mois de Perek Yud, Mishnah Tet. Ben Tachachanim ve Yomechad Shebal Yevimto, ou Mishahigdil Nasa Isha Acher et Vamet. Im lo yada et Arishona, Mishahigdil Arishona Choletzet, ve l'omit Yabemet. La Shnia Choletzet, omit Yabemet. Abi Shimon Omer, me Yabem Lezo Shirtse, ve Cholet la Shnia. אחד שהוא בן 9 שנים ביום אחד, ואחד שהוא בן 20 שנה ביום, שלא הביא שתי שערות. On continue à parler de l'histoire de l'enfant de 9 ans et un jour, qui n'a pas encore eu 13 ans, qui a la singularité de Biato Bia, le rapport qu'il va avoir avec une femme, un statut de Bia, pour toute la halakhot, s'il n'était pas saoul, il va invalider la femme, si c'est une femme mariée, il va l'interdire à son mari à cause de ça. Et donc c'est Bia. Mais en général, il ne peut pas acquérir une femme, parce qu'il n'a pas de date. Et donc, pour pouvoir acquérir, se marier avec une femme, il faut avoir une date pour l'acquérir. Or, il ne peut pas l'acquérir, mais toutefois, il peut acquérir sa yevama, mais que midirabanan. C'est-à-dire que Chachamim m'ont donné un statut à son rapport qu'il a eu à la yevama, un statut de ma'amar. Et c'est en ça qu'on va parler, avec un nouveau cas maintenant, que ben teshashanim yom echad shebal yevimto. Un enfant de 9 ans, et un jour, qui va avec la Yevama, avec sa belle-sœur, la femme de son frère, qui est décédé sans enfant. Et après quoi? Il s'est là commencé à se marier avec elle. Et puis finalement, et depuis qu'il est devenu adulte, après donc il a atteint sa majorité, il a fait sa bar mitzvah, et le jour de sa bar mitzvah, il s'est marié avec une deuxième femme. D'accord? Maintenant il a deux femmes. La première, elle est à la Yevama, sur son frère. On va les appeler comme ça. Il y avait Reuven, Shimon, et maintenant on va au nom de Lévi. Il y avait trois frères. Reuven, il était adulte, il était marié à une femme, et il était marié avec Rachel. Après, Reuven meurt son enfant. Shimon, son petit frère, qui a déjà 9 ans et demi, 10 ans, il va déjà se marier avec Rachel. Il va lui faire le hiboum. Or, comme on a dit, c'est pas encore vraiment devenu sa femme complètement, c'est devenu sa femme à moitié. Comme ça on l'a défini. Comme si qu'il avait fait juste des kidushaï ma'amar. Parce que l'enfant de 9 ans, même si sa bia est une bia, Rachamim ont décrété que sa femme, c'est ça, dire sa femme qu'à moitié. D'accord? Après quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté avec elle. Et quand il a eu 13 ans, il s'est marié avec une deuxième femme, Léa. Il s'est marié, mais marié complètement. C'est-à-dire, cette fois-ci, il a atteint 13 ans, il s'est marié avec une deuxième femme, Léa. Et bien, sur ça, la Mishnah m'enseigne. Et après, Imlo Yada est à Rishona. Et donc, je vous l'ai. Après, il est mort. Le petit Shimon, qui est devenu adulte, qui atteint ses 13 ans et demi, 13 ans et un jour, il meurt, et maintenant, il reste son petit frère, Lévi. Et la question est de savoir, est-ce que Lévi peut faire le hibou à une de ses femmes ou pas? C'est-à-dire, alors la Mishnah me dit comme ça. Imlo Yada est à Rishona, Mishnah Yigdil, s'il n'a pas connu la première Rachel, Mishéigdil, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de rapport avec Rachel depuis le moment où il est devenu adulte. Alors la Mishnah m'a dit que Arishona Cholet, c'est le métier Bémet, la première, donc la Rachel, elle devra faire la Khalitsa et pas le Hiboum. Véachnia Cholet, c'est au métier Bémet, et la deuxième, elle devra faire soit la Khalitsa, soit le Hiboum. Bon, c'est une histoire un petit peu complexe, apparemment. C'est pas compliqué, c'est pas vrai, mais on va faire un petit peu d'ordre. Donc on a dit, il y a trois frères, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, il est adulte. Reuven s'est marié avec Rachel. Il n'a pas eu d'enfant. Il meurt. Shimon fait le hiboum à Rachel alors que Shimon n'a pas encore 13 ans. Il passe avec elle quelques années. Lorsqu'il devient adulte, il prend une deuxième femme. Léa. D'accord? Après, Shimon meurt. Sans enfant. Et maintenant, Shimon, il a deux femmes. Il a donc sa femme qui vient de marier, c'est la deuxième, elle s'appelle Léa. Elle est pleinement mariée, sans aucun problème, parce qu'elle était déjà adulte quand il s'est marié avec elle. Mais là, par ça, Rachel. Alors Rachel, la Mishnah me dit comme ça. Tout d'abord, si toutefois, une fois qu'il est devenu adulte, il a eu de nouveau un rapport avec Rachel. Rachel, c'est devenu sa vraie femme. Autant que Léa, c'est sa vraie femme complètement, Rachel, c'est aussi sa vraie femme complètement. Donc un homme qui a deux femmes et qui meurt, lorsqu'il meurt, Lévi, son frère, qui ensuite il est devenu adulte, d'accord, c'est plus le problème maintenant,
il doit prendre une des deux femmes, et la deuxième, elle se dispense de sa mitzvah de Yiboum avec cela. Ce qui se passe, c'est que Shimon, lorsqu'il a pris, la deuxième femme, il n'a plus de rapport, depuis le moment où il est devenu adulte, il n'a plus de rapport avec Rachel, la première femme de Reuven. Et après, Shimon, il meurt. Alors, si on fait le point hein, devant des femmes qui attendent que Lévi leur fasse une mitzvah, soit de Relitza, soit de Yiboum, alors on a bien sûr la vraie femme de Shimon, pleine femme parfaite de Shimon, elle, Léa, alors il devrait lui faire soit la Khalitza, soit le hibou, il peut la prendre, il peut se marier avec elle, il n'y a aucun problème. Mais regardez Rachel, c'est un peu plus compliqué. Parce que Rachel, elle est là. Peut-être que, puisque maintenant, Shimon il est parti avec elle, que lorsqu'elle était enfant et pas lorsqu'il est devenu adulte, or, il a, grâce à ça, il l'a rendu mariée à moitié. Il s'avère que maintenant, elle a, tout d'abord, il s'avère qu'elle a une zikat shteyevamin. C'est-à-dire qu'elle est encore un peu la Yevama qui vient de Reuven, avec en plus maintenant un peu plus la Yevama qui vient de par Shimon. Elle a donc Zikast Shnei Yevamin. Lévi ne peut pas faire le Hiboum à cette femme. Il doit le faire nécessairement à la Khalitza. Parce qu'elle vient de deux maisons. Charlo Yvnet Bet Achiv, Beit Echad Ubone, Venobone Shnei Batim. On avait appris déjà plus loin, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Une Yevama qui vient, qui a un double statut, les Yevama de par Reuven comme par Shimon. Parce que Shimon n'a pas fini de faire la mitzvah, on avait vu ça dans le Perek Lévi, on parlait longuement de ça, de Mahamar. Donc, Lévi ne peut pas faire le Hiboum à Rachel. Parce que Rachel, elle est encore la Yevama de Reuven et un peu la Yevama de Shimon en même temps. Ouais, parce que Shimon ne marie qu'à moitié. Mais malgré tout, ça n'empêche pas que Lévi a le droit de faire le hiboum à Léa. Mais là, il y a un petit problème. C'est pas précisé dans la Mishnah, c'est précisé dans le Melechet Shlomo, qui nous dit, mais attention, il devra nécessairement commencer à faire le hiboum. S'il veut faire le hiboum à Léa, il devra d'abord faire le hiboum à Léa, et après, maintenant, dispenser Rachel en lui faisant la Khalitza. Par contre, s'il fait le contraire, il commence à faire la Khalitza à Rachel, il s'avère que maintenant, par rapport à au demi-mariage que Shimon a commencé à marier Rachel, il a déjà commencé à lui faire la Khalitza. Il l'a déjà libérée maintenant. Or, s'il a commencé à libérer la maison de... Elle était à moitié mariée à Shimon, avec une deuxième vraie femme avec deux Shimon. Il s'avère que maintenant, il a commencé à faire la Khalitza dans cette maison, il ne pourra plus faire le hiboum. D'accord ? Si, selon le principe qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, si Shimon qui a deux femmes, s'il a deux vraies femmes, pleines parfaitement, qui meurt, son frère Lévi peut faire la mitzvah de Khalitza de Hiboum que à une seule. Mais en aucun cas, il ne pourra pas faire la Khalitza à l'une et après se marier avec la deuxième. Parce que dès qu'il fait la Khalitza à une, il dispense l'autre. Bon, dès que tu as dispensé la Yevama, tu ne peux plus la reprendre en mariage. D'accord? Selon ce principe, c'est pour ça que la Mishnah me dit, je reprends, par rapport à Rachel, alors elle devra faire nécessairement que la Khalitza, et par rapport à Léa, il va faire soit le hiboum, soit la khalitza, mais s'il veut faire le hiboum, il est obligé de faire le hiboum avant de faire la khalitza. Ça marche. Sur ça, on a maintenant Rabbi Shimon Omer, mais il y a même les oshirts, le choletz la shnia. Sur ça, Rabbi Shimon nous dit non, il n'y a aucun problème. S'il veut, c'est Rabbi Shimon, qui s'appelle maintenant 3 Mishnah de suite qu'on rencontre, que Rabbi Shimon considère que quand le petit frère Shimon, il va avec la Yevama, alors on ne considère pas qu'il la marie à moitié. C'est-à-dire qu'il a marié dans le doute. Peut-être oui, peut-être non. Et sur ça, Rabbi Shimon, il va me dire, bah écoute, de deux choses l'une. Soit son sabia qu'il a eu, le rapport qu'il a eu avec, ça a marché. Donc si ça a marché, c'est-à-dire que maintenant Shimon, il a deux femmes. Rachel, et là, dans ce cas-là, Lévi pourra faire le hiboum à celle qui veut. Et si toutefois le hiboum n'a pas marché, alors dans ce cas-là, Rachel, elle reste la femme de Reuven et pas de Shimon. Et donc Lévi pourra prendre, en théorie, pourra même faire le hiboum aux deux. Parce qu'il peut, si c'était le cas, s'il a une Yevama, son frère Reuven qui meurt, il a maintenant sa Yevama qui est devant lui. Après Shimon, il meurt, qui avait une deuxième femme, il meurt, il a deux Yevama devant lui, il peut faire la Yevama aux deux, parce qu'elles ne viennent pas du même frère. Chaque Yevama, elle vient d'une maison. Donc il peut décider de prendre les deux s'il veut. Selon ce principe, Rabbi Shimon me dit, ben écoute, lorsque Shimon, le petit frère, il a fait le hiboum à Rachel,
il a marié dans le doute. C'est pas qu'il a marié à moitié, il a marié dans le doute. Peut-être oui ou peut-être non. Alors si oui, il s'avère que maintenant Shimon, il a deux femmes. S'il a deux femmes, ça suffit de faire le hiboum à une seule, mais celle qu'il veut. Et si ça n'a pas marché, alors il peut même faire le hiboum aux deux, parce que dans ce cas-là, Rachel, elle reste la femme de Réhouven. Il doit faire le hiboum, parce qu'elle vient par l'intermédiaire de Réhouven. Et il doit faire aussi le hiboum à Léa. Alors dans le doute, il ne pourra pas faire le hiboum aux deux. Mais concrètement, je lui dis, qu'il commence par faire le hiboum à l'une d'entre elles, celle qui veut, et la deuxième lui fera la Khalitza. Ok ? Ça va être Rabbi Shimon. Et là, Mishnah conclut en me disant, toute la halakhot que je t'ai enseignée, d'abord je le dis à l'oral, après on va dans les mots, toute la halakhot que je t'ai enseignée, ça concerne un enfant qui est de 9 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais à condition qu'on parle d'un enfant que lorsqu'il va avoir 13 ans, il apporte les simanei gadlout. Un homme, il devient adulte lorsque son... On ne devient pas adulte à l'âge de 13 ans et un jour, c'est pas exact. Il faut 13 ans et un jour avec aussi des poils dans la partie génitale. Maintenant, il y a à part ça des gens qui... C'est le même principe avec les saris, c'est des eunuques. Des gens qui ne développent pas les simanei saris, ils n'ont pas de... Des gens castrés. C'est les bidé shamaïm. Les eunuques, je crois que c'est pas en français. Et donc ils n'ont pas développé, leur corps ne se développe pas comme un homme classique. Ils gardent une voix fine pendant longtemps. Il ne développe pas, il n'a pas de barbe, il a des simanim comme ça, comme un enfant. Dans ce cas-là, il va garder ce statut-là jusqu'à l'âge même de 35 ans parfois. Il y a plusieurs niveaux. Est-ce que ça va être 18 ou 20 ans? Ou 35 ans, ça dépend des... Est-ce qu'il a des simanim saris, il n'a pas des simanim saris? En tout cas, tout ce que je t'ai... Voilà, Michel va parler de 20 ans. Ça va comme selon Beth Hillel. Et que même s'il va avoir en fait 17 ans, 18 ans, 19 ans, s'il n'a toujours pas développé son corps, qu'il n'a pas commencé à se développer, qu'il n'a pas encore eu des poils, il n'a pas de barbe, il n'a pas de poils, alors dans ce cas-là, il va garder le même statut d'un enfant qui, biato bia, mais il n'a pas de date pour être connu. Il garde un statut d'enfant. Et donc, dans ce cas-là, toutes les mishnayot qu'on a évoquées, en te parlant d'un enfant de 9 ans et un jour, c'est pas exact. Quand je vous ai dit que c'est 9 ans et un jour jusqu'à l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, s'il s'agit d'un enfant classique qui ensuite se développe en développant des poils. Et si toutefois, il ne développe pas de poils, eh bien, il aura le même statut jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est ce que la Mishnah me dit. Echad, Sheu, Ben Techashani, Beyom Echad. Tout ce qu'on t'a appris, c'est qu'il s'agit d'un enfant qui a 9 ans et un jour. Ou même encore d'un adulte de 20 ans qui n'a pas encore eu de poils. Les règles seront les mêmes parce qu'il a encore un statut d'enfant. Un statut d'enfant qui a une bia, qui a un caractère de bia, mais qui n'a pas encore le date complet. Et donc, dans ce cas-là, il y aura toutes ces règles qui seront en vigueur. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.